Ce mois-ci, au sommaire de BD7 Le Mag, la suite de Blast avec le tome 2, un long destin de sang d'un jeune dessinateur, le retour de Joanne et Pierre-Louis de Peyo et deux éditions inédites d'Hugo Pratt. Blast, le tome 1 est paru l'an dernier, ça a déjà été le coup de cœur des libraires spécialisés en bande dessinée, celui des critiques, et c'est aussi un succès de vente. Le tome 2 vient de sortir et c'est encore un choc, choc graphique en noir et blanc, mais aussi quelques passages en couleur assez étonnants. C'est l'histoire d'un type plutôt obèse, à l'allure assez négligée, qui est dans un commissariat entre deux policiers, et ces deux policiers cuisinent. Il est suspecté d'avoir fait un meurtre d'une jeune femme. Et l'homme prend son temps, se raconte sa dérive, parce qu'il était écrivain de guide gastronomique, et il raconte son errance vers l'île de Pâques et vers le Blast, ces moments de bonheur intense qu'il décrit de page en page. Moments de bonheur qui sont mis en couleur de temps en temps par le dessinateur Manny Larcenet, couleur qui, par sa rareté, donne encore plus de force à ce récit vraiment étonnant. Nous sommes à Paris en 1918, un Paris qui subit les bombardements de l'armée allemande. 8 personnages se retrouvent dans un même lieu, dans un même temps, et un mystère étonnant va se dévoiler par rapport à un régiment qui aurait été gazé pendant les tranchées. Un scénario malin, intelligent, une ambiance angoissante, et surtout la découverte d'un jeune dessinateur étonnant, Fabien Bédouel, qui, avec un trait très noir, très inspiré par les comics américains, nous transcende une ambiance vraiment magique. Les enfants et les nostalgiques vont adorer. Johan et Pierre-Louis est de retour dans une intégrale en 4 volumes chez Dupuis et un 5e aux éditions du Lombard. C'est tout l'univers de Peyo, le créateur des Schtroumpfs, qui est dans ce fantasy moyenâgeuse vraiment agréable. Et les Schtroumpfs sont nés dans ces aventures moyenâgeuses. En effet, le chevalier Johan et son compagnon Pierre-Louis, toujours prêts à faire des gags et des amusements pour des lecteurs, vont rencontrer un petit monde d'hommes bleus en 1958. Ça ne rajeunit pas. En tout cas, c'est le départ de ce fameux phénomène qui va devenir les Schtroumpfs. Ils apparaissent donc dans cette aventure de Johan et Pierre-Louis que vous retrouvez avec plaisir. Le dernier tome étant consacré à des nouvelles aventures dessinées par un ancien du studio Peyo, Alain Maury. Il y a toujours autant de charme et autant de plaisir à lire toutes ces aventures délirantes. En ce moment, à la Pinacothèque de Paris, il y a une remarquable exposition sur les aquarelles d'Hugo Pratt, aquarelle, mais aussi planche originale, en particulier l'intégrale de la balade de la mer Salée. Un événement à ne pas manquer. Pour l'occasion, les éditions Casterman ont publié un très beau catalogue, au titre éponyme, magnifique, et aussi, on en profitait pour rééditer en noir et blanc les aventures de Corto Maltese, le héros le plus connu d'Hugo Pratt. Ces ouvrages sont donc en noir et blanc, tels qu'ils étaient conçus autrefois pour la presse, en particulier l'épisode de la jeunesse de Corto Maltese qui avait été créé pour le quotidien Le Matin de Paris. Or, Hugo Pratt a fini par se fâcher avec les instances dirigeantes du quotidien et a laissé tomber cette histoire, pour en reprendre une autre qui sera publiée dans le mensuel à suivre en France et en Italie, dans une revue spécialisée. Cependant, il n'a pas laissé l'aventure comme cela. Il avait commencé quelques planches supplémentaires pour une hypothétique autre histoire, toujours située dans la jeunesse de Corto Maltese. Ces planches inachevées n'avaient jamais été publiées encore dans un album de Corto Maltese. C'est le cas aujourd'hui avec cette nouvelle édition de la jeunesse de Corto Maltese chez Casterman. Immanquable donc.
Voilà, c'est terminé. Rendez-vous le mois prochain pour un nouveau BD7 Le Mag.